Le corps est faible. Mwili ni mzaifu. Mais je sais que vous ne voulez pas dormir. Na yo kusema mpende kulala. C'est le sommeil qui vous tire vers lui. Ni bushingishi boku na mikokota. Mais Paul dit, Paulo anasema, je traite durement mon corps. Niko natumia kwa nguvu sana hii mwili yangu. Les chrétiens traitent durement leur corps. Wa Kristo yo natumia mwili wao kwa nguvu. Parmi les moyens de traiter durement le corps, namna ya kutenda nguvu sana mwili, c'est aussi quand tu as sommeil, tu t'élèves toi-même. Ni wakati kuna bushingisho unashimama wewe moyo. Tu peux te lever, tu pars de derrière là-bas. Unaenda kushimama, unaenda kumukongo. C'est parmi aussi les moyens de traiter durement le corps. Ni namna tena ya kutumia mwili nguvu. C'est plutôt de se lâcher. Awala kuriachilia unaanza kumwingina. Et dormir. Na kulala. Aisément. Ah, on a lala sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'avais déjà prêché les 15 minutes dans le culte d'hier. Nilikuwa nishakubebele dakika 15 mu mahubiri ya jana. Je ne fais pas 45 minutes. Sitafanya makumi ine na tano savileri lakwa. Donc, je fais 30 minutes. Tabeba madakika makumi tatu. Dieu voulant à 5 heures juste, je vais arrêter. Pendeze Mungu mu 5 heures juste na shimamisha. Qu'on se lève d'abord pour le respect de la parole. Tushimame njia kuheshimia neno. Lisons toujours dans Ephésiens. Tutasoma paka moyo wa Efeso. Ephésiens. Wa Efeso. C'est Ephésiens chapitre 5. Wa Efeso sura ya 5. C'est là que nous sommes. Njo pale tuko. Ephésiens au chapitre 5. Wa Efeso sura ya 5. Bon, là prenons d'abord 1 Corinthiens 7. Tu bébé wa Korinto wa kwanza sura ya 7. Prenons le verset 2. Tu bébé mustari wa pili. Toutefois, bana yote, pour éviter la débauche, je kuepuka buzinifu. Que chacun ait sa femme. Kila mtu akue na bibi yake. Et que chaque femme ait son mari. Na kila mke akue na bwana yake. On n'a pas dit pour avoir des enfants. Aba kuseme njia kupata batoto. Que chaque homme ait sa femme. Kila mwanaume akue na bibi yake. Mais on a dit pour éviter la débauche. Njia kuepuka uzinifu. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Atuonake njia kupata batoto. Beaucoup de frères se retrouvent dans des polygamies. Ba mingi banajikuta mukuoa ba bibi ba mingi. Ils avaient voulu des enfants. Juba lipendaka kuya na batoto. Ça c'est une mauvaise profondeur. Ile ni upana ya mbaya. C'est contraire à la parole de Dieu. Ile ko kinyume na neno la Mungu. La Bible dit. Biblia nasema. Pour éviter la débauche. Jia kuepuka uzinifu. Que chaque homme ait sa femme. Kila mwanaume akue na bibi yake. On se marie pour éviter la débauche. Tukunaoana njia kuepuka uzinifu. On se marie pas pour avoir les enfants. Atu wanake njia kupata batoto. Soton. Tuluke. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, kubale abaya o wanaba yane, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Nasema yuko mzuri baba kie kama mimi. Écoutez. Ushikie. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, kama wanachinda kujizuiza, qu'ils se marient. Bapate kuoa. On n'a pas dit s'ils ont besoin d'enfants. Ya kusema abakuseme kama beko lazima na batoto. Mais s'ils manquent la continence. Ni kusema kama anashinda kujizuiza. Qu'ils se marient. Baowe. Car il vaut mieux de se marier que de brûler. Kwa maana ni mzuri kuoa kushinda kulungula. On s'assoit. Tunaweza kuikala. On ne se marie pas pour les enfants. Atuona kenjia kupata watoto. Là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ile aina ya leo. Là, on va en parler. Sasa ile tutaisemeaka. Nous sommes encore dans la fondation. Sasa tuko pale mumusingi. Déjà, le problème enfant, là, c'est dans le mariage. Aile mambo ya batoto ni ndani ya ndoa. Par la grâce de Dieu, on va parler avec trop de détails. Ah, kupitia neema ya Mungu tutasema na maupana yote. Et il n'y aura pas de tabou. Na kuta kwa mambo ya aya. Ya aya. Aya, mouba toto. Il y a des enfants. Il faut que ces enfants-là connaissent aussi les problèmes du mariage. Ah, il n'a pas chopé les batoto ba yo na bo mambo ya ndoa. Quand quelqu'un a 15 ans. Kama mtu ko na miaka makumi tano. On entend que dans les 4 ans suivants,
il aura besoin, il peut se marier, il peut commencer à brûler. Miaka ine kumbela naweza kuwa anaanza kulungula. Donc il faut que dès le départ qu'il connaisse pourquoi je vais me marier. Tuingia mwanzo anapasha kuya njia nini napasha kuoa. On va en parler. Tutaisemeaka. Là je m'étais arrêté sur le faux vœu. Pale nilishimamia yuli ya biapo bia bongo. Le faux vœu, c'est la seule raison pour briser les fiançailles. Viapo vya bongo njo sababu ya kuvunja ile buchumba. Si le vœu était faux dès le départ, kama kiapo kilikuwa kia bongo kumwanzo, la sœur ou le frère est libre de rompre. Nduku wala dada ko huru ya kuvunja ile mambo ya boya buchumba. En dehors du faux vœu, inje ya viapo vya bongo, il n'y a pas d'autre raison pour briser le fiançailles. Hakuna sababu ingine njia ya kuvunja ile buchumba. Sœur, dada, tu ne peux pas briser le pour une autre raison. Awezi kuvunja buchumba njia sababu ingine. Si tu es fiancé, sœur, kama banesha kukuchumbia dada, et que pour une autre raison non biblique, njia sababu mwingine yashipo kwa mubibilia, tu brises le fiançailles, unavunja buchumba. Si tu es sincère vis-à-vis de toi-même, kama kwa waki mbele yako, et que tu veux plaire au Seigneur, na unapenda kumupendeza Bwana, tu dois demeurer sans être marié. Unapasha kubakia bila kuolewa. Certidor, dada unalala. Si tu es sincère vis-à-vis de toi-même, kama kuwa moyo wako mbele yako wewe mwenyewe, et toi frère, na we nduku, tu brises le vœu, unavunja ile kiapo, tu refuses ta fiancée, unakatala mchumba wako, pour un problème comportemental, njia mambo ya kujitwala mubaya, pour autre raison, njia sababu ingine, tu prends une autre soeur comme fiancée, unabeba dada mwingine anakuwa mchumba wako, que tu le veuilles ou pas, upende wala ushipende, tu es polygame. Ni kusema ku mtu wa babibi ba mingi, même si l'avait pas épousé. Atakama ukumo wake. Mais comme tu étais dans le vœu. Savilo likuwa ndani ya kiapo. Or c'est le vœu qui marie. Na ni kiapo kikunaoa. Tu prends une autre sœur comme fiancée. Unabeba dada mwingine kama mchumba. Tu es polygame. Ni kusema ku mtu wa babibi ba mingi. Vis-à-vis de toi-même. Kama kuwa kunyoloka mbele ya wewe mwenyewe. Tu ne deviendras jamais un diacre ou ancien de l'église. Hauwezi kuya mzee wa kanisa wala shemashi. Parce que tu es polygame. Je ni kusema ku mtu wa babibi ba mingi. Sœur, dada, avant de dire oui au frère, mbele ya kusema ndio kwa nduku, prends ton temps de prier. Beba wakati yako ya maombi. Si tu as déjà accepté, c'est fini. Kama unechika kunaisha. Que le frère soit sorcier. Ata nduku ni mchawi. Tu dois. Unapashwa. La marier. Unapashwa kuolewa naye. Tu dois. Unapashwa. Et si tu fais des aventures, sœur, na kama unafanya michezo we mwenyewe, tu refuses ton fiancé, unakatala mchumba wako, parce qu'il n'a pas d'argent, jua nana feza, un bon pasteur ne peut plus bénir ton mariage. Pastori mzuri hawezi kubariki ile ndoa. Et lorsque tu fais le choix, frère, na wakati unachakula nduku, tu le fais par rapport à toi-même. Uku naifanya kulinganishana na we mwenyewe. Ta femme n'est pas la femme de ta famille. Bibi yako ina bibi wa chama yote mushima. C'est ta femme. Ni bibi yako. Ce n'est pas la femme de ton père ou de ta mère. Aina bibi wa bazazi yako. Tu dois l'épouser selon ton goût. Unapasha kumoa kufatana na we mwenyewe. Tu ne dois pas l'épouser selon le goût de ton père. Mushimo we fatana na kupenda kwa baba yako. Dit, non, moi je ne l'aime pas. Baba kwa nasema oui, mishi mupende. Mishi mupende. Or, tu as déjà fait le vœu. Wewe unesha kufanya kiapo. Dis à ton père. Ambia baba yako. Papa c'est ma femme. Baba huyu ni bibi yangu. Toi tu l'aimes pas, c'est bien. Wewe umupende ni mzuri. Moi je l'aime. Lakini mie namupenda. Toi tu aimes déjà mama. Wewe unesha kumupenda kama mama. Moi je l'aime elle. Mimi namupenda huyu. Si tu suis le dire de ton père. Kama unafuata bile baba yako anasema. Et tu répudies la sœur. Na unafukusha bibi. Tu épouses l'autre du goût du père. Unaoa mwingine kufatana na baba yako vile anapenda. Polygame. Mtu wa babibi ba mingi. Amen. C'est dur mais c'est la vérité. Iko ya nguvu lakini ni ukweli. Oui mon frère. Ndio nduku. Le fiançailles.
Il est mambo ya buchumba. Ça ne doit pas être kilométrique. Aiwezi kwa bilefu. Tu gardes la sœur pendant unachunga dada miaka ine, miaka tano. Frère, ce n'est pas normal. Ila ina mzuri. A moins qu'il y ait un problème, de, un cas de force majeure. Ah, ni kama kuko mambo moya ya kweli. Peut-être tu avais déjà ta dot. Ah, ulikuwa na mari yako. On a volé ça. Banaiba. Peut-être tu travaillais. Ulikuwa na tumika. Le travail a pris fin. Kazi na malizika. Et non pas comme ça. Apana tu hivi. Tu n'as rien. Tu es allé chercher la fiancée pourquoi? Auna na kintu nenda kutafuta mchumba njoo ya nini? Ce sont des aventures. Ile ni michezo. Avant de se marier, mesure-toi. Ambele kuoa ujipime. Tu n'as rien. Auna na kintu. Tu cherches la sœur pourquoi? Uko na tafuta dada njoo ya nini? Ce sont des aventures. Ile ni michezo. Parce que tu penses que non un autre va l'épouser. Auna waza ukama mishi mfuate mwingine atamoa. Tu fais des calculs avec lui. Ogo na fama hesabu na nani? Les fiançailles kilométriques sont déconseillées. Ile mabuchumba ya mulefu iko mubaya. Beaucoup de fiançailles kilométriques, les fiancés se connaissent. Ah, ile mabuchumba ya kukawa bachumba banayuanaka mumwili. Beaucoup. Bamingi banayuanaka mumwili. Frère. Nduku. La femme que tu aimes. Ule bibi unapenda. Déjà... Moi, Dieu m'avait fait grâce de faire 10 mois de fiançailles. Mais dans les 10 mois, ce n'était pas facile. Je commence à penser non, que j'ai même un voyage missionnaire. Pourvu que je sois loin d'elle. Sinon, le feu risquerait de tomber. Ah, naweza kuanguka. Mais toi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, frère, Duku. À moins que tu ne l'avais pas aimé. Ni kama tu akumupendake. Mesure-toi avant d'entrer. Ya tu n'as pas d'emploi, reste là-bas. Auna na kazi bakia pale. Tu n'as pas d'emploi, mais tu veux te marier. Auna na kazi unapenda kuoa ni nini? Soyez comme le Seigneur. Akuya kama Bwana. Notre Boaz. Ah, Boaz wetu. Pour s'engager, il s'est mesuré. Tu as kuingia mumambo anajipima. Le mari capable. Ah, Bwana mwenye kustahili. Avant de s'engager, le Seigneur s'est mesuré. Mbele ya kuingia Bwana anajipima. Et il a vu que non, je saurai. Ah, naangalia sami chaweza. Mais toi. Sasa weye. Déjà pour le prédote, problème. Tu as kupeleka tu kifunga mulango ni mambo. $50, tu n'en as pas. $50 auna nayo. Mais tu veux être fiancé. On appende kwe mchumba. Ce sont des aventures. Ile ni michezo. Cherche d'abord du travail. Tafuta mbele kazi. Celui qui a droit de s'engager, c'est celui qui a un travail. Ula na stahili kuingia mumuchumba ni ule kona kazi. Oh, Dieu agira. Mungu atakenda. Ah, qu'il agisse d'abord. Atende mbele njo wingie mubuchumba. Ah, nduku muku bakutokwamini. Non, nous ne sommes pas incrédules, nous sommes prudents. Si atuna batokwamini, tuku berevu. Nous sommes prudents. Tuku baerevu. Sans travail, tu veux t'engager. Bila kazi unapenda kuingia mumambo ya mubuchumba. Tu vas l'amener où? Utamupeleka wapi? Dans les fiançailles, les cadeaux sont autorisés aussi. Ah, mubuchumba mazawadi na staili. Toi, tu as une fiancée. Attends qu'elle foute ou y'a mougiaga. Ah, on a fiançailles ou y'a mougiaga, attends ma foute. Attends qu'un savon qu'a 2000 francs. Même les savons. Ah, ou y'a mougiaga, attends savon y'a 2000 francs. Ce n'est pas normal. Il a une mousouri. Le Seigneur, notre fiancé. Bwana mwenye kwa mchumba wetu. Qui nous envoie des dons. Eko na tutumia mazawadi. Nous avons les dons de prophétie. Tuko na mazawadi ya kutabiri. C'est en tant que fiancé. Sa tuko ni mumambo ya mchumba. Nous avons la guérison. Tuko na matunzo. C'est en tant que fiancé que le Seigneur nous les donne. Sa bachumba bwana eko na tupachia. Ce sont des dons que Dieu nous donne. Ile ni mazawadi Mungu eko na tupa. Ce sont des dons que le Seigneur, notre fiancé, nous donne. Ile ni mazawadi bwana mwenye kwa mchumba wetu eko na tupa. Même les savons, tu ne donnes pas. Je suis fait tout le temps. Ah, restez là-bas, attendez. Pourquoi presser Anine? Pourquoi Araka? Tu dois te mesurer. On n'a pas chaque jipima. Pas de fiançailles longues. Apana mabuchumba ya kukawa. On s'élève pour lire Cantique des Cantiques. Tu shimame, njia kusoma. Cantique des Cantiques. Nyimbo ya Salamoni. Chapitre 8. Sura ya mnane. On se lève, on veut lire l'écriture. Tushimame tunapenda kusoma andiko. Frère, que ceux qui sont assis là se lèvent. Benye kuikala kule bashimame. Badada kule bashimame. Nous voulons lire l'écriture. Tunapenda kusoma andiko.
Cantique des Cantiques, chapitre 8. Nimbo ya Salomoni sura ya munane. Verset 4. Mustari waine. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Namisi babinti ba Yerusalema. Ne réveillez pas. Mushilamuke kamwe. Mushilamuche. Mushilamuche kamwe. Ne réveillez pas. Mushilamuche kamwe. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Ah, mushilamuche kamwe mapendo mbele ya yoku lamuka kulala. Il y a des gens qui réveillent l'amour qui est endormi. Kukubantu beko na lamusha mapendo le rukweni shakulala. Sœur, dada, le frère ne t'avait pas aimé. Nduko shikukupendake. C'est toi qui as réveillé l'amour. Wenjo na lamusha mapendo ni kwa ya nikulala. C'est ce que font beaucoup de frères ici. Chokile ba nduku ba mingi beko na fanya. Tu n'as pas d'argent. Auna na feza. Tu as réveillé l'amour pourquoi? Una lamusha njia nini mapendo? Paka seulement cantique ici dit. Inyimbo ya Salomoni nasema. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Atama imukubwa iwezi kushimisha mapendo. On s'assoit. Tunaweza kuikala. Tu n'as pas d'argent. Auna na feza. Tu as commencé les histoires d'amour pourquoi? Unaanza mambo ya mapendo njia nini? Tu as provoqué la sœur pourquoi? Tu as nini unachokoza dada? Tu as provoqué le frère pourquoi? Tu as nini unachokoza nduku? Avec des messages. Na maile ma message. Bonjour frère. Jambo nduku. Tu as bien dormi? Ulilala mzuri. Jeune sœur qui demande ça à un jeune frère. Ah dada kiana na lomba kwa nduku kiana. Tu dors comment? Unalala je? Tu es dans quelle position? Ukumualikani. Pourquoi tu réveilles l'amour? Tu as nini unalamusha mapendo? Prostituée. Kahaba. Amen. Même de frère. Ataba nduku. Sœur, tu es dans quel habit présentement là? Apa ukumumavazi kani? Débauché. Ah, ukumuzinifu. C'est pourquoi moi, je ne suis pas trop partant d'acheter à une jeune sœur qui n'est pas en sixième d'un téléphone Android. Choko mana miye sina na ile kifukutu kumushia tu téléphone apana Android elle téléphone. Elle va commencer à se prostituer dans ta maison au atanza téléphone. Atanza kufanya bukaaba munyumba yako kusimu. Prends-moi d'abord la photo de ta poitrine, tu m'envoies. Unibambie picha ya kilari yako nitumie. Frère, c'est que je dis, je ne relate pas des histoires. Iki niku nasema chisemakanye. Il y a des sœurs qui envoient des photos de leur poitrine aux frères. Kukubadada beko na tuma ma picha ya bilari yabo kubanduku. C'est de la souillure. Ile ni buchafu. Et puis tu dis, je m'envolerai vers le ciel. Anaoko na sema nitaluka kwenda ku mbingu. Quel ciel? Mbingu kani? Un ciel de débauché. Ah, mbingu ya basinifu. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Ah, mushilamushe mapendo ilikuwa yenye kulala. Et beaucoup de fiancés qui tombent. Na ba chumba ba mingi bale banangukaka. C'est à cause de manque de discipline. Ah, ni kushinda ile utaratibu ya kiupeke. Tu demandes à ta fiancée. Unalomba mchumba wako. Tire la photo de ta poitrine, tu m'envoies. Unibambie picha ya kilari yako nitumie. Et la sœur aussi. Na dada naye. Sans crainte de Dieu. Bila boka bwa Mungu. Elle enlève ses vêtements. Anafula nguo yake. Elle prend sa la photo. Anabeba ile picha. Elle envoie son fiancé. Anamutumia mchumba wake. Qu'est-ce que tu attends après? Sasa unachunga nini kisha? Il faut la discipline personnelle. Inapasha kwa na ile utaratibu ya upeke. Et jeune sœur. Dada, kijana. Tu es fiancé. Uko mchumba. Ton fiancé veut venir à la maison. Ah, mchumba uko anapenda kwa kunyumba. Ne porte pas un polo sans soutien, ce n'est pas correct. Polo bila soutien ina mzuri. C'est comme ça que beaucoup de frères tombent. Jok vile banduku ba mingi banangukaka. Vous pensez que lorsque les fiancés sont tombés, ça commence où? Ah, kama bachumba bananguka binanzaka wapi? La légèreté, non? Ah, kule kusula. Lui c'est un homme. Ye ni mwanaume. Il est en bonne santé. Eko muafya njema. Mais toi tu sors polo sans soutien à l'intérieur. Woku na polo bila soutien ndani. Qu'est-ce que tu veux? Uko na penda nini? Soyez disciplinés. Mukwe na ema heshima. Et vous les mamans, veillez sur vos filles. Na mwe baba mama mukeshe yule ya babinti yenu bene kuchumbiwa. Aussi longtemps que n'a pas encore quitté le toit paternel, c'est ta fille sous ta responsabilité. Kama yatoka mu nyumba yako wewe njo kuna mabushito yule yake. Amen. Tu sors là. Ah, frère André. Ah, nduku André. Habari. Kuna mpiga una chaude. Unampiga ka chaude.
Et puis deux ans après, non, frère, kisha miaka mbili, oh, bari anguka. Jua nini? Ils sont tombés pourquoi? Manque de discipline. Ah, ni kusema wanashinda heshima. Frère fiancé. Duku mwenye kuchumbia. Tu pars voir ta fiancé. Unaenda kuona mchumba wako. Elle dans un état compliqué. Eko muali yenye kwa ya mbaya. Reproche la. Umukemee. Si tu caches, kama unafuchika, sache que le mal va t'atteindre. Ayo sema mbule bubaya butakubamba. Avec sa fiancée, il faut être clair. Ah, na mchumba wako inapasha kuwa waji. Moi, j'étais clair avec ma fiancée. Nilikuwa waji na mchumba si wangu. Ah, bon, on s'appelait chérie depuis le fiançailles. Pourquoi on a été en chérie? Il dit chérie, ça non. Ça non. Il y a pas. Tu casses directement, on a un chérie. On a un chérie, on a un chérie. Je pique après, mais pas on a moitié à faire deuxième pas. Ah, tu veux que Satan fasse encore le deuxième pas? À ta fin deuxième pas, la fatine a cinquième pas. Ah, il va faire même le cinquième pas. Je vais te dire, trouver Mikulu Yulu Kichwachini. On t'a écouté Mikulu Yulu Kichwachini. Trop tard. Ah, mon écoutez-le-wa. Il faut être discipliné dans les fiancées. N'aie pas visité la fiancée tard. Apana kwenda kutembelea mchumba wako saa isha kupita. N'aie pas s'asseoir dans un coin ténébreux. Ah, mushikale mukona mwenye kwa mweushi. Le diable n'est pas ton ami. Ah, Shetani ana rafiki yako. Le diable n'aime pas le mariage. Ah, Shetani ashipendake ndoa. Lui n'aime pas le mariage. Ashipendake ndoa. Lui il aime que les jeunes puissent s'engrosser. Yana pendaka babijana mapatiane mimba. Donc, si tu n'es pas discipliné. Kama una heshima, tu vas toucher la tête. Utakusa kukichwa. Trop tard. Ah, mwenye kuchelewa. Soyez discipliné. Nikusema mugwe na heshima. Mama. Mama. Le fiancé n'a pas le droit de sortir avec ta fille si elle n'a pas demandé l'autorisation. Ah, ni kusema mchumba mwanaume hawezi kutoka na mtoto yako mwanamke kama shilombe rusa. Aussi longtemps qu'elle est dans ta maison, tu dois prendre tes responsabilités. Ah, mwakati yote kwa mnyumba yako napasha kumhangaikia. Ce n'est pas seulement les frères viennent. Ana tunduko anakuya. Oh Chantal, on sort. Chantal on tutoke. Nous a invité dans une fête de mariage. Banatuita kukaramu mwaya ndoa. Banatoka pan. Banenda. Mama, papa, irresponsable. Baba na mama, abana na ile mabushitu. Tu veux sortir avec ma fille, demande, tu dois me demander l'autorisation une semaine, même deux semaines avant. Ah, mbele ya kutoka na binti wangu ni lombe rusa juma moya bi. Et je ne suis pas obligé d'accepter. Na mishi surutisha kuichika. Amen. Ce n'est pas ta femme. Aina bibi yako. C'est ta fiancée. Ni mchumba wangu. Devant Dieu c'est ta femme. Mbele ya Mungu ni bibi mais yako. Mais là c'est ma fille. Ah, pale ni mbinti wangu. On doit être discipliné. Tunapasha kwa heshima. C'est la vérité. Ile ni ukweli. On doit savoir pourquoi on se marie. Tunapasha kuyua njia nini tukunaoana. Dans 9 minutes j'arrête. Muima dakika kenda. On doit savoir pourquoi on se marie. Tunapasha kuyua njia nini tukunaoana. Frère, Dugu, si tu ne fonctionnes pas, n'entre pas dans l'histoire du mariage. Kama utumike mzuri hapana kuingia mu mambo ya ndoa. Tout ça ce sont des problèmes. Ile yote ni mambo. Quand vous ndoa bibambe bona kosana kosana. Dans le mariage ça ne tient pas, il y a toujours des tu ya nini. Le frère est malade. Anduku eko mugonjwa. N'amène pas la foi là-bas. Apana kuleta kule imani. Le mariage n'est pas spirituel. Ah, ndoa ina mambo ya kiro. Le choix est spirituel. Kuchakula ni mambo ya kiro. Le mariage n'est pas spirituel. Ndoa ina mambo ya kiro. Amusta wana mwanze kwenda kuimba nyimbo za wokovu mshamba. Nalipa chanter là-bas les cantiques de nyimbo za wokovu. Dans la chambre. Mule mchumba ya ndani. Je prêche le mariage. Niko nahubiri mambo ya ndoa. On ne se marie pas pour aller chanter les nyimbo za Mungu dans la chambre. Atuone njia kwenda kuimba nyimbo za Mungu kule chumba ya ndani. Frère, si ne fonctionne pas, ne t'engage pas. Duko una mwali mzuri hapana kuingia mu mambo ya ndoa. Omba Bwana. Qu'il te soigne d'abord. Akutunze. Qu'il te guérisse d'abord, puis tu t'engages. Akutunze kisha uingie mu mambo ya ndoa. Écoutez. Mushikie. Tous les fiancés que vous voyez. Machumba bote muko naona. Il brille. Beko na waka. Il n'y a pas un fiancé qui ne brille pas. Akuna mchumba ula shiwakake. Ce qu'il a amené à ses fiancés, c'est parce qu'il brillait. Ah, kile kilimupeleka chumbie ni njie kona waka.
C'est pourquoi vous aussi les parents facilitez-les la tâche. 7 000 $. 7 000 $. Quelqu'un qui touche 100 $. Monte qu'on n'a pas ta 100 $. Tu lui demandes 7 000. On a moulomba 7 000. D'abord dans les salles, il doit payer le loyer de 20 $. Moussa moulari pe mon nyumba 20 $. Il doit manger. Anapashwa kuria. Jou abambiche 7 000. Pour avoir 7 000, ça va faire combien d'années? Faciliter les frères aussi la tâche. Momosaidie nduku. Il est mambo. Il ne faut pas faire. Ce n'est pas normal. Aina mzuri. Nous sommes des parents chrétiens. Chie tuku bazazi ba Christu. La dot, c'est un symbole. Il est mari ni symbole. Où sont les papas qui pouvaient demander la Bible? Baba ba beko wapi bale barpasha kulomba mari biblia kama mari. Où sont-ils? Beko wapi? C'est normal. Ah, il est un symbole. Tu peux demander même les lunettes. Tu peux demander même le stylo. On a un symbole. Biki, ni mufano. Mais sois raisonnable dans tes demandes. Ukwewakuwaza mukulomba kwako. Wana tafuta kwanza commerce makuta dot. Tu veux commencer le commerce dans les dot. Frère, Nadi Kazier. Wana tafuta kwanza kwa depo ya secret déjà. Weke depo ya secret ba mari. Ta fille n'est pas une marchandise. Ah, binti wako haina bia kushisha. Amen. Kabelo. Di Kazier. Et puis celui qui demande Kabelo, sœur en Christ. Uleko na lomba Kabelo ni dada mu Christ. Jo uivarie wapi? Ti vale porter où? Jo wadi stabamba, muna yasa bistabamba. Okusantempa. Yeye Kabelo te ivarie wapi? Ti vale porter où? Dieu qui t'a foutu quoi tout n'a pas monte t'as toi déjà couché. Si tu veux amener ça ici, ça va chauffer. Alors t'as foutu un invite. Ah, tu vas chercher la guerre. Demande ce que tu peux utiliser réellement. L'homme qui l'on a ouéza kutumia. Duku. Oh, dit et 5 casiers en chouï. 5 casiers en chouï. Frère, on a prononcé un indien en wanjika en chouï, signé papa. Wanjika en chouï, baba n'a signé. Papa n'a signé. Papa nani, frère. Papa nani ndugu katika Kristo. Eko diacre. Ni shemashi. 5 casiers en chouï. Na ma 5 casiers en chouï. Dans ton mariage, je ne m'invite même pas. Mundo ya koshinite. C'est la vérité. Il est ni ukweli. Soyez raisonnable dans la façon de demander des dots. Mukweba kuwaza muzuri, munamu na kulomba mari. Facilitez le jeune. Musaidie babiana. 5 000, 6 000 dollars. Pourquoi? Tu as nini? On t'a foutu faire nini? Tu veux faire quoi? Oh, ce n'est pas moi qui le marie, c'est Aina mon petit frère. Aina miye ni kuna mowesha ni muloko yangu. Toi, tu es comment toi? Oui, okuche. Mutoto wako. Ah, l'enfant c'est pour toi, non? Arikulukuria fièvre, munyumba. Ale lukula munyumba yako. Unamutunzish. Tu l'as fait soigner. Unamufundish. Tu l'as fait étudier. Anakukoyoria pa mangu. Anakoyola pa mangu. Ça a dot? Ah, le temps des dot. Petit frère. Muloko yangu. Ah. Quand vous tapez dans un exemple, pas en moi-même. Si vous voulez voir, vous allez voir à moi-même ici. Dot ni yangu mi mwenyewe. Mari yote mi mwenyewe ntakuria. Mimi nawaza sasa ni mkaburi wataka ataka 20 dollars de mkaburi. Ah, je peux penser de lui donner même 20 dollars. Hapa tuko na teso ni shibe yenyewe. Hapa tuko na teso ni shibe yenyewe. Mtoto fièvre mushiku na kwa mal à l'aise. Ah, la fièvre la nuit tu es mal à l'aise. Nasema oncle lo ku village ndo takuria dot wa. Pour la mariage, oncle ku mukini ndo takuria. De toute façon moi je ne crois pas à la coutume. Mimi shamini mabisela. Oh, nishike tu oncle nenita. Ah, oncle m'appelle. Mtoto wako wa kwanza. Ta fille là, c'est ma dot. Attends, ton vite. Ah, il cherche seulement la guerre. Attends, ton vite. Il cherche seulement la guerre. Attends, nous courir d'autres frères. Je sais que je mange aussi la dot. Et la dot. Na il est Marie. C'est la Bible. Iko mu Biblia. La dot, c'est la parole de Dieu. Il est Marie ni neno la Mungu. Si tu as une femme. Dont tu n'as pas doté. Ula kupeleke mari. Devant Dieu, tu n'es pas en ordre. Ah, mbele ya Mungu una musawa. On s'élève pour lire Romains. Tushimame tusome mu Roma. Je termine déjà. Pale ni kuna maniza. Romains chapitre 13. Wa Roma 13. Verset 8. Mustari wa munane. On s'élève, sœur. Tushimame badada. C'est le matin, oui, on a veillé, mais forcez-vous. Tuko busubui turikesha, mujikaze. Ne devez rien à personne. Apana kwa nandeni na muntu. On s'élève et on s'assoit.
tuikale. Ne devait rien à personne. Apana kwa na ndeni na mtu. Sont des dettes qui durent, la dette dont Romain parle là. Vous êtes là 10 enfants. Vous avez 10 enfants. Mais où y arrive pas qu'à d'autres frères. Qui n'a jamais doté mon frère. Frère, tu pourquoi tu es fraudeur comme ça? Tu as dit nous quoi qu'ibia mouille namna. La dot c'est la Bible. Il est mari ni mambo ya mobibilia. La dot ce n'est pas une invention humaine. Ah mambo ya mari ina bantu balianza. La dot c'est dans la Bible. Il est mambo ya mari ni ba iko mobibilia. Aujourd'hui, Léo, nous sommes dans les temps de Noé. Tuko mwakati ya Noa. Dans le temps de Noé, les gens ne voulaient pas se marier. Amwakati ya Noa bantu wakupendake kuoa. Là les gens prenaient pour femme mando enanza. Ah, bantu baranza kubeba ni banamuke na ndo enanza. Il y a des frères, ali angrosaka tu bibia ko na leo erwa shakwa deja papa na mama. Ah, ndugu anapatia bibia ke bimba. Ndo enanza banakuwa na batoto. Régulariser ça. Mwende mukaripe. Allez payer des dots si vous voulez aller au ciel. Mwende mukaripe mari kama munapenda kwenda kumbingu. Tous ceux qui n'aiment pas payer la dot n'iront pas au ciel. Ule ota shipende kuripa mari ashitenda kumbingu. Payer les dots. Muripe mamari. C'est la parole de Dieu. Ile ni neno la Mungu. Lisons une écriture puis j'arrête. Tusomandiko moya na nitashimamisha. 1 Samuel. Samueli wa kwanza. Frère, la dot c'est dans la Bible. Imambo ya ndoa e ya mari ni mu Biblia. Ne faut pas nous amener dans des cas où Biblia na kufa. Tupeleke mu mama. Sa dot. Kon commence à te demander la dot. La dot d'un cadavre. Uripe mari ene kwa ya kitumba. Et là tu t'efforces de payer. Na pale unajikaza uripe. Donc tu avais un mauvais cœur. Nikuse ulikuwa na roho mbaya. Pourquoi tu n'as pas voulu que ta femme soit honorée de son vivant? Au kunjia nini ukupende bibi yako ba mheshimie wakati alikuwa mshima. Urikala na bibi wa ndeni. Urikala na bibi wa ndeni. Unamzalisha mundeni. Et puis on a tafuta na kuwesha, mais on a wona lomba dot. Aushia ta ai. Tu veux demander la dot, mais toi tu n'avais pas doté. 1 Samuel 18. Le verset 20. Samuel wa kwanza, kumi na mnane mustari wa makumi mbili. Mikal, fille de Saül, aima David. Mikal, binti wa Saül, akamupenda Daudi. On a informé Saül et la chose lui convainc. Bakamujulisha Saül na ile mambo ikamfurahisha. Écoutez maintenant. Mushikie. Verset 25. Mstari wa makumi mbili na tano. Saül dit. Saül akasema. Vous parlerez ainsi à David. Mutamwambia Daudi hivi. Le roi ne demande point de dot. Mfalme ashilombe kamwe ile mari. Mais. Lakini. Il désire 100 prépices de Philistins. Anapenda. Ma filistini mia moya. Prépuce. Lorsqu'on fait la circoncision, la peau de la circoncision là. Wakati bana wafanye mukandao. La peau là, son appelle le prépuce. Il est ngoji. Le prépuce. Mangoji mia ya ba filistini. David, Saül voulait que David meure. Ah, Saül alipendaka Daudi akufe. On lit qu'il demande à David la dot. Bele wala mulombe mari. Là, David va rester en vie. Ah, Daudi atabakia mushima. Bon, il dit David. Daoudi, donne-moi seulement les prépuces des Philistins. On est parti les mangoches à la Philistine. Or, pour avoir les prépuces des Philistins, tu as coupé les mangoches à la Philistine. Il faut d'abord les tuer. Il a bidi ou abaoué. Saül avait exposé David à la mort. Nikusema rimueka Daoudi kulufu. Il dit, donne-moi 100 prépuces des Philistins. On est parti les mangoches mia à la Philistine. Donc, tu tues les Philistins, tu leur coupes la peau inutile. Là. Ah, on a eu la Philistine, on a touché les ngoches à Shomana. Les prépuces et la peau inutile que comptent tous les hommes. Ni les ngoches, ne calana banaume yote. C'est ça. Dio il est. Verset 27. Moussara makumi mbili na saba. Ah, 26. Makumi mbili na sita. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David. Batumishi ya Saul bakamwambia hii maneno Daudi. Et David agréa ce qui lui était demandé. Na Daudi akakubali le bari mulomba. Pour qu'il devienne gendre du roi. Chukue muko yake ya mfalme. Mais pour que tu deviennes mon gendre, paye-moi la dot. Chukue muko yangu nipatie mari. Mais wewe unakuita na ba muko. On t'appelle mon gendre. Mais wewe unalipa dot. Tu n'as jamais doté. Tu n'as même pas honte. Ba muko. Mon gendre. Si toi Lingala ça se prononce bien. Ah, mulingala banaitaka mzuri. Bo kilo. Ah, muko yangu. Donc una kilo, bo kilo. Uko na bei. Mais bo kilo ashiaripaka. Bo kilo ashialetaka mari. Tu ne mérites pas le kilo.
Austaile le kilo. Verset 27. Écoutez. Avant les termes fixés. Avant qu'on fige le chico ya kuripa. David s'éleva. Daoudi akashimama. Parti avec ses gens. Akaenda na bantu yake. Et tua 200 hommes parmi les Philistins. Akaua bantu makumia mbili ya katikati ya bantu ya Bafilistino. Il apporta leur prépice. Akaleta ile mangoji yabo. Et en livra au roi le nombre complet. Akamupatia mufale mele esabu yenye kueneana. Ah, ashikubakia na ndenya dot. Na pareste avec le dette. Oui, auna na ndenya dot. Toati na pare dette. De... Munazala na kuzala. Vous avez même des enfants. Mais una ndeni. Tu as les dettes. Tu as quel modèle dans la Bible? Woko na mfano kana mu Biblia. David n'était pas comme toi. Daoudi ashikukwe sawa wewe. Il a donné le nombre complet. Anapeleka ile bari mulomba. Jacob. Yakobo, on lui a demandé 7 ans pour Rachel. Il n'a pas fait 5 ans ou 6 ans. Il a fait 7 ans. Alifanya miaka 7. On lui a demandé encore 7 ans pour Rachel. Anamulomba tena miaka 7 juu ya Rachel. Il a accompli cela. Anatimiza ile. Mais toi jusqu'aujourd'hui tu as la dette. Ah leo kuna ndeni. Tu as quel modèle dans la Bible? Uko na mfano kani mu Biblia. Le Seigneur. Bwana. À la croix. Kumusalaba. Il a crié. Alilalamika. C'est accompli. Yote natimiza. Tout est accompli. Yote natimizwa. J'ai payé tout. Nililipa yote. Aujourd'hui. Leo. Jésus n'a pas de dette. Yes, on en a ndeni. Les enfants de Dieu aussi. Batoto ya Mungu na bo. N'ont pas de dette de dot. Abana na mandeni ya mari. Les enfants toto abenyo, mais mundeni. Ah, dans les dettes. Oh, ndeni ya nini? Ndeni ya Yozaki. Ndeni ya Yozaki. Il y a verset en nombre ou en Corinthien. Parlons selon la Bible. Tu sais me kufatana na Biblia. Il n'y a personne qui est resté avec la dette de la dot dans la Bible. Tous ceux qui ont des dettes, attention, vous risquerez de rater l'enlèvement. À cause de la dot, tu vas manquer le ciel. Utashinda mbingu. Una muzarisha huku. Ah, kuna muzarisha huku. Bamuko na regrette kule. Uyu una muzarisha kama mtoto wangu asheni pak. On murmure sur toi. Ah, beko na lungunika yulu yako. Tu n'as même pas honte. Ah, on a tana haya. Shushike tuwai. Ah, il faut avoir honte. Oh, ndenya ya ndoa ishake. Ah, mambo ya ndoa ndenya ishake. On amène les histoires du monde dans l'église de Dieu. On a leta bintu vya mudunya mukanisa ya Mungu. Non, non. Abana. Parlons selon les écritures. Tuseme kufatana na maandiko. Le message est venu pour nous donner même le langage biblique. Ah, ujumbe ulikuwa kutupatia musemeo ya mu Biblia. Dans la Bible, la dette de la dot se termine. Ah, mu Biblia ile ndeni ya mari kunaisha. Frère. Duku. Chez moi, avant de prendre ma fille, on ishie. Ah, mbele ya kubeba binti wangu isha ndoa mali yote. Oh, kutabakia di frère takuyaka, mina katala. Mie isha mbele ya kumubeba. Je suis comme Laban. Mini kusala ban. 7 ans accomplis. Miaka saba inekutimisa. Je suis comme le Saül. Niko sa Saül. Sans prépice de Philistin. Ile mangozi mia ya ma Philistino. Je suis comme Jésus. Niko sa Yesu. Je dois voir toute ma dot être versée. Napenda kuona mari yangu nipatie yote. Le Seigneur Bwana alipeleka yote. Joseph, l'homme de Marie, a tout donné. Yusufu bwana wa Maria alipeleka yote. Branham a tout donné. Branham alipeleka yote. Frank a tout donné. Duku Frank alipeleka yote. Tu as quel modèle? Wewe uko na mfano gani? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Amen.